Salut à tous, bienvenue. Donc c'est le troisième jour de mon aventure. Je suis bien arrivé à Funfun hier. Comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, je n'ai pas fait de vidéo hier soir parce que j'étais assez fatigué. J'en avais un peu marre de trimballer mon appareil photo partout. Ce matin, réveil très tard. Je me suis levé, il devait être 11h30. Couché très tard aussi hier. Je me suis couché, il était presque 4h du matin. J'ai terminé le montage de la vidéo. Je galère un peu au Cambodge à trouver un réseau satisfaisant pour publier la vidéo. Donc c'est un peu long. Je suis en train d'essayer de la publier dans un café, mais c'est pas gagné. Clairement, c'est extrêmement long. Donc j'espère trouver un endroit un peu meilleur après pour publier mes vidéos un peu plus facilement. Le programme d'aujourd'hui, il va être assez simple. Je vais aller visiter le musée du génocide. En gros, il y a à peu près une quarantaine d'années, le Cambodge a été sous un régime, pas très longtemps, pendant 4-5 ans je crois, sous un régime qui s'appelait les Khmers Rouges en fait, et qui ont fait souffrir énormément le peuple cambodgien. Ils ont tué près d'un tiers de la population, si je ne me trompe pas. Et en fait, ce musée se trouve dans une ancienne prison tenue par les Khmers Rouges, et donc, où beaucoup de Cambodgiens ont souffert. Donc c'est un lieu qui a l'air d'être extrêmement chargé en histoire. J'ai pas l'habitude de le faire, mais là franchement je trouve ça abusé. Donc je suis au musée du génocide au Cambodge. Et déjà l'entrée, $5 quand même l'entrée. Hein. Donc c'est pas donné, tu sens que c'est un truc touristique. Ça à l'arrière, bon, je peux comprendre, tu peux entretenir le truc et tout, y a pas de souci. Deuxième chose, moi je suis en débardeur. Donc vu que c'est un endroit où il y a eu beaucoup de morts et tout, il faut te couvrir. Il faut mettre un truc, il te faut un t-shirt. Sauf que le truc, c'est que le t-shirt, mon gars, enfin le truc qu'ils te prêtent, c'est $5. $5, le prix de l'entrée. Et ça, ils ne te le disent pas avant que tu achètes l'entrée. Donc franchement, je trouve ça pas cool. C'est pas honnête. Je peux comprendre que tu aies besoin de te couvrir, mais de là à faire payer $5 pour louer, si tu veux, un haut, je trouve ça vraiment scandaleux. Enfin bon, c'est pas grave, je vais le prendre et je rentre dans le musée juste après. Le pompon dans tout ça, c'est que j'ai pas le droit de filmer à l'intérieur. Non mais franchement, mais c'est quoi ça? J'ai pas le droit de filmer à l'intérieur. T'as le droit d'utiliser ton smartphone pour faire des vidéos, mais t'as pas le droit d'utiliser ta caméra pour filmer. Alors, tu sais quoi? Je vais le faire quand même. Parce que j'ai payé, je vois pas en quoi un smartphone, d'un appareil photo ça change. Donc je vais filmer et je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. En fait, pour préciser un peu l'histoire du lieu, donc c'est en 1975 quand la clique, enfin en tout cas la clique à Pol Pot, donc Pol Pot qui était l'espèce de, je sais pas, de gouvernement, enfin du gars, enfin le président quoi si tu veux, a transformé ce lieu qui était initialement une école en prison, une des plus grandes prisons du Cambodge, qu'ils ont appelée la S21, qui en fait était une prison de haute sécurité, mais surtout de genre la plus violente et la plus horrible qui n'ait jamais été construite sous ce régime-là au Cambodge. Ils y enfermaient des paysans, des ouvriers, des techniciens, enfin vraiment tout et n'importe quoi. Et en fait, ils étaient, c'est le mot employé, hein. Ils y étaient emprisonnés et exterminés avec leurs femmes et leurs enfants. C'est-à-dire qu'en gros, c'était clairement comparable aux chambres à gaz lors de la Seconde Guerre mondiale sous le régime des nazis, quoi. Donc ils disent un bon nombre de preuves évidentes révèlent les atrocités et les tortures les plus barbares imposées par la clique de Pol Pot. Donc ça laisse sous-entendre que ça devait être réellement un endroit de souffrance extrême. Ouais, là on a passé le cap en termes d'image qui choque. Je pense que là je pense que c'est quelque chose de vraiment horrible. J'ai vu des musées de prison au Vietnam aussi, qui étaient quand même assez insoutenables en termes d'image. Là ici on est à vraiment un next level, c'est plus tout la même chose. Thank you.
filmé ici, qui est à côté de moi. C'est par là qu'étaient attachés les prisonniers. Et en fait, ils jonchaient à même le sol, c'est-à-dire que leurs chevilles étaient prises dans ces espèces de boucles d'acier. Et ils étaient laissés par terre, en fait, sur le ventre, en général, avec les jambes en l'air. Donc, j'avais vu le même genre de torture au Vietnam, où en fait, ils accrochaient pareil les prisonniers par les pieds, et avec dans une espèce de pente, avec la tête en bas. Et en fait, comme ça, ça permettait que quand ils ont envie d'uriner ou de déféquer, bah, leurs excréments leur tombaient sur la figure, leur sang montait à la tête, et en fait, en général, ils mouraient d'infection. Donc, ça ressemble. Hein. Comme quoi, les pratiques de torture sont assez similaires d'un pays à l'autre. Ça reste que c'est une atrocité et qu'il ne faut pas être humain, clairement, pour faire ce genre de choses. Quoi. Bon, clairement, je suis pas genre ultra à l'aise. Ça reste un endroit qui est malsain, en fait, qui est lourd, qui est chargé de... C'est chargé de... Tu sens d'ondes négatives, en fait. Et c'est pas... Je sais pas, tu te sens pas à l'aise, quoi. Tu visites pas ça comme si tu visitais un marché, tu vois, t'as le smile, t'es content et tout. Là, tu... Ouais, tu ressens un peu l'ambiance, l'atmosphère du lieu, quoi. Bon, je suis au niveau des cellules individuelles qui se trouvaient au rez-de-chaussée de l'établissement. Donc, c'était ici qu'étaient détenus les prisonniers qui devaient être seuls dans leur cellule. Donc, soit ceux qui avaient un intérêt politique, soit ceux qui avaient fait des grosses conneries, ou soit au bon vouloir des occupants, je sais pas trop. Je pense qu'il faut se rendre compte de l'étroitesse de chacune de ces cellules. Je vais rentrer dedans pour essayer de vous montrer un peu quel était le degré de survie. Si on parle de survie, on parle plus de vie là. On parle clairement de survie. Voilà. Donc là, je me trouve donc dans la cellule. Faut imaginer qu'au plafond, il y avait des barbelés et tout pour pas que les gens puissent s'échapper. Je sais même pas comment décrire ça, mais tout était fait pour avoir une atteinte physique sur la personne, donc qu'elle soit physiquement mal en point, et aussi sur l'atteinte psychologique qui joue tout autant sur le fait d'être enfermé dans un tout petit dans une toute petite cellule, pas de lumière, rien. En gros, le but recherché, c'était essayer de faire un maximum de mal, tant sur l'état physique que psychologique de la personne, ça c'est certain. Alors, je pense qu'on commence à toucher le fond. Là, on est sur des cellules en bois, mais qui sont encore plus petites que ce qu'on avait en bas, en fait. C'est-à-dire que même moi, je pourrais pas, en fait. J'ai du mal à rentrer, j'ai du mal à me tourner dedans. Enfin, je sais pas si... Alors, je sais pas si on se rend compte, mais voilà, j'ai un mur là, et j'ai un mur là, ici. Tout en bois. Sans lumière. De quoi devenir fou. Complètement fou. Complètement fou. C'est horrible. Oh, puis il y en a une quantité. Ah, mais c'est pire, là. Celle-ci, elle est pire. Là, t'as un mur et un truc de bois, quoi. Enfin, vraiment. Je sais pas si on s'en rend compte, mais là, j'ai un mur et là, j'ai le bois. J'ai peut-être un mètre. Ouais, je dois avoir un mètre de large. Il suffira des...
je dois avoir un mètre. Incroyable. Enfin, incroyable, non, mais... C'est vraiment... vraiment horrible. Des instruments de torture. Au début, j'ai cru que c'était des instruments d'agriculture, c'est-à-dire que c'était des instruments qui étaient destinés aux prisonniers pour travailler en fait. Non, non, ce sont des instruments de torture. Faudra m'expliquer comment tu peux torturer un être humain avec un piolet. Enfin, je... négocier avec le staff de la prison. Je suis en train de négocier avec le staff de la prison pour pouvoir interviewer un ancien de la prison. Donc c'est assez compliqué, elle a été obligée d'appeler son boss parce qu'on n'a pas le droit de filmer cette personne-là normalement. Donc j'espère avoir l'autorisation et je vais pouvoir vous expliquer un peu le personnage et ce qu'il a vécu dans cette prison. Bon les amis, j'ai pas eu l'autorisation, il n'y a pas moyen. Ils veulent pas me laisser l'interviewer parce que en gros s'ils laissent faire une personne, tout le monde voudra le faire et donc ça va vite devenir ingérable. Et pour eux c'est un business ce gars-là parce qu'en fait il est dans la prison, il est là, tu peux lui parler, tu peux prendre une photo, mais tu peux rien faire d'autre quoi en fait. Si ce n'est acheter son livre qu'il a écrit quoi. Donc bon, c'est pas grave, j'aurais essayé. Cette petite visite se termine pour moi. Bon les gars, l'huile me paraissait bien noire, quand même. Les amis, de l'huile en boîte de conserve. Incroyable. Défi du soir, trouver un street food, manger quelque chose d'appétissant, qui donne envie, dans les rues de Phnom Penh. Alors, je viens d'apprendre que je prononçais mal le nom de la ville. En fait, c'est Phnom Penh et pas Phnom Penh, en fait. Il y a une règle de base que m'a renseigné la vie, c'est va manger là où il y a du monde. Voilà, c'est quand tu sais pas ce que tu veux manger, le mieux c'est de manger dans un endroit où tu sais qu'il y a du monde, donc forcément c'est bon et forcément tu limites les risques d'intoxication. Les amis, du coup j'ai opté pour un petit plat à base de nouilles, de nem et de viande, donc voilà, on va voir ce que ça donne. Ça fait bien marrer les gens parce que du coup j'ai fixé ma caméra sur le poteau, merci Gorillapod, et donc ça fait assez marrer les gens, c'est drôle. Donc bon appétit à toi, j'espère que ça va être bon, en tout cas ça a l'air. C'est très bon. Très très bon. Je me régale.
Bon, j'ai booké une petite chambre dans un guest house. Bah écoute, c'est très bien. Elle est propre. C'est assez spacieux. Il y a un petit bureau où je me suis installé pour travailler. Il y a un grand lit. Alors, la petite particularité de cette petite chambre, c'est la salle de bain, mon gars. Et c'est une salle de bain, c'est la première fois que j'en vois une comme ça. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu en rentrant. Mais en fait, il faut baisser la tête parce que sinon, c'est assez compliqué. Il faut rentrer dans un espèce de petit couloir où ici, tu as le lavabo. Et là-bas, les chiottes et la douche qui est là. Donc en fait, c'est une configuration architecturale très particulière. Je pense qu'à la base, ça devait être une maison, quoi, le principe d'une guest house, quoi. Mais qui a été revisité sous forme de chambre. Et donc, ils sont adaptés un peu à l'architecture de la pièce. Moi, je trouvais ça marrant, c'est ça assez cool. Bon, le plan, maintenant, on va aller chercher un truc à graille parce que j'ai trop faim. Donc les amis, j'ai trouvé à manger dans un petit street food en ville. Donc j'ai pas filmé le plat malheureusement, j'avais trop faim. Donc du coup je l'ai enquillé direct. Le programme de ce soir, de 1, trouver un dessert. Donc une espèce de milkshake ou je sais pas, un jus d'avocat comme on peut trouver ailleurs. Enfin il me faut un dessert. Deuxième chose, petite balade au bord du fleuve, qui se trouve juste à côté, avec quelques clichés très sympas de l'urbanisation autour de ce fleuve. Bon, j'ai trouvé un petit jus d'avocat. Franchement, pour faire comme dessert, il n'y a pas mieux. C'est ultra bon en plus. C'est très bon pour la santé et c'est rafraîchissant, j'aime bien moi. Donc voilà, j'ai trouvé un petit jus d'avocat, ça m'a coûté $1 le jus. Donc c'est un jus mixé, hein. c'est de l'avocat brut qui est mixé et qu'on te sert avec quelques glaçons dans un verre. Je suis tombé dans un quartier extrêmement animé. Ça me fait un peu penser au quartier rouge de Ho Chi Minh, où en fait t'as des racoleurs pour que tu viennes boire des verres, des racoleurs pour que tu viennes manger. T'as beaucoup de... malheureusement, et c'est un peu le mauvais côté de ce pays-là, c'est que t'as beaucoup de prostitution également. Donc les bars sont, à partir de cette heure-là, sont jonchés de nanas en fait, jonchés de nanas. T'as beaucoup de femmes qui cherchent le touriste un peu faible et qui se fait vite engrainer dans de la dépense pour de l'alcool, de la boisson, enfin, plein de choses comme ça. Et donc du coup quand tu marches dans cette rue là en tant que mec, en plus seul comme moi, tu te fais énormément racoler quoi. Alors le piège dans tout ça c'est que toi tu y ailles et en fait que tu te fasses complètement pigeonner en fait de ta soirée. Parce que entre les racoleuses pour que tu consommes dans leur bar et les nanas qui sont en fait des prostituées, bah tu fais le compte en fait, ça peut te revenir extrêmement cher. Bon les amis, il est temps pour moi de vous dire à demain. Les aventures pour aujourd'hui c'est terminé. Je clôture cette journée sur un bon petit repas, un bon petit dessert. Maintenant, la partie montage, je vais l'attaquer à mon hôtel. Surtout, oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche et de suivre mes aventures. À très bientôt, à demain.